Et salut tout le monde, c'est Diablo. Aujourd'hui on se retrouve pour un 35e épisode sur le Let's Play de Carmageddon. Et là, comme vous le voyez, il reste deux courses, hein, non débloquables, enfin pas encore débloquées. Et on a vraiment terminé le jeu. Donc cette fois-ci on va jouer la map Blood on the Rooftop. Donc encore une course sur les toits à mon avis. On le voit bien à l'image. Donc cette fois-ci les concurrents seront OK Simpson. Enfin, on n'a plus les autoscumes. Par contre, on a toujours Psycho Pitbull comme la fois précédente. Stella Stone comme la fois précédente. Burly Shirley comme la fois pas précédente, mais celle d'avant. Et Alfiori comme la fois précédente. On va dire cinéma. J'ai l'impression qu'on compte toujours les mêmes opposants, concurrents, pour cette fin de jeu. Bref. C'est parti. Alors c'est une course dans la ville. Psst, psst. Voilà, comme d'hab, dans l'électricité. Ok tout le monde. Le début du jeu. Nous ce qu'on va faire dans la suite est... Oh là putain. Mais c'est bon là. J'ai du temps. Mais on va pas s'éterniser dans ce. Dans celui-ci, hein, dans cet environnement. Vraiment tout de suite détruire les concurrents. Quoique je crois que c'est à ce niveau là qu'on a les nouveaux flics. De mémoire je crois que c'est dans cet environnement là que on a les nouveaux flics. Donc on va voir un petit peu si on peut les affronter. Chaque fois, hein, chaque course, il y en a un qui m'en veut quoi. Parmi tous les concurrents, il y en a vraiment un qui me pourchasse quoi. Ouais, la pitbull, il agit vraiment comme un pitbull. Hein. Allez, ça enchaîne. Yolo. Voilà, hop, paf, dans le mur. Et là, un face to face, non? Oui, non, oui, non, oui. Presque. C'était pas vraiment un face to face, c'était plutôt un face to ace. Oh les lol. Même problème qu'avec le Draxter au tout début du jeu. Certains trottoirs où je tape. Moi j'ai juste le caca du tir 1, je me disais quand même. C'est quand même pas les 4K du tout début du jeu qui va me faire chier. Non, c'est toujours le même là. Allez hop, face to face. Pam. De mémoire, il doit être pas loin. Voilà. 10 tours, hein. Je me rappelais pas que les courses étaient à ce point longues à la fin du jeu. Quoi. En même temps, à l'époque, j'en faisais rarement hein, des courses. Enfin, je les clôturais rarement. Quoi.
Alors, je crois qu'il est né dans le coin, le flic. Je crois qu'il est dans le coin. Mais après, où exactement, je ne sais pas. Il ne sait plus. Et boum. Il fallait pas me faire chier. Hein. Il y a aussi un truc, c'est que normalement, de mémoire, il y a aussi le jeu en français quoi. Celui-là j'ai en anglais. Mais il existe aussi les voix en française, notamment ceux de des protagonistes. Hein, qui des fois dit oh yeah, ça fait mal, je sais pas bien, ça fait mal. Bon, lui, j'ai pas vraiment eu le temps de voir le joueur. Là, c'est le carnage absolu, mais en même temps, c'est ce que je recherche. Hein. Je cherche vraiment à clôturer cette course le plus rapidement possible pour passer directement à la suivante. Pour vraiment finir le jeu assez vite. Non pas que ça me saoule, hein. Non pas que je suis un petit peu lassé du jeu, même si c'est un petit peu. Même si, bon, faire plusieurs, c'est un petit peu la même chose qu'on fait à chaque fois. C'est pas ça, c'est que vraiment, je voudrais brancher sur un autre let's play. Et que, ben, pour commencer, de toute façon, je vais pas vraiment faire des let's play. Enfin, je vais pas faire plusieurs let's play en même temps. Hein. Je préfère me concentrer sur un let's play à la fois, pour le moment. Après, je vous avais parlé aussi de. Je ferai peut-être un GTA ou deux en let's play, mais bon, je crois que je vais attendre que le 5 sorte hein, pour commencer déjà celui-ci. Parce que, honnêtement, à part San Andreas, ce que j'ai sur PC, le 3 et le Vice City, je les ai pas. Enfin, je les ai pas installés quoi. Je crois que D'ailleurs, Vice City, je crois que j'ai plus en CD, j'ai le 3. Mais bon, voilà, je vais pas faire un VSP sur. Sur le 3 ou Vice City. Même San Andreas, ce sont moi, tout le monde. Tout le monde doit connaître ce jeu. Si vous le connaissez pas, c'est que vraiment, vous êtes dans une grotte. Hein, tout gamer doit quand même connaître la base, quoi. GTA c'est quand même le jeu le plus vendu de tous les temps. Hein. On pourrait croire que c'est Call of mais en fait non, hein, c'est GTA. C'est quand même. Donc vraiment, je suis un petit peu dégoûté qu'ils aient reporté encore une fois GTA sur PC quoi. On l'attend depuis. Ouais, c'est quoi, c'est depuis 2000. Non, pas 2015 quand même, faut pas abuser. Quoique si, hein, fin 2013. Hein. Sorti en 2013, GTA 5 sur 3.6 et PS3. Donc ça fait bien plus d'un an hein, qui est sorti. Ils avaient annoncé, je sais plus, je crois que c'était le 28 ou 27 novembre 2014. Après, ils l'ont repoussé en février, après mars. Là, c'est 14 avril. Ça sera vraiment la dernière date qu'ils vont annoncer hein, parce que commence à faire long. Bon voilà, épisode bouclé assez rapidement j'ai envie de dire. Et là on approche vraiment de la fin du jeu. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine.